Salut à tous, c'est Mélan sur Magic Arena FR. Comment ça va? Ça va très très bien et toi? Ah, très très bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, c'est toi qui veux le dire. Aujourd'hui, on va présenter une nouvelle decklist de standard. Depuis la sortie de Kamigawa, on se demandait un petit peu quelles étaient les nouvelles listes. On a Mr. Zan Syed, grinder de la scène un peu Star City Game, Twitcher, qui a remporté le gros tournoi de croquis avec 585 joueurs. Il l'a remporté avec un deck Esper Midrange. J'ai pas repris sa liste exactement, j'ai fait 2-3 changements parce que je suis un cancre. Le Évidemment, Kanger. ne faites pas ça, prenez sa liste, elle est cool. Mais voilà, il y avait des petits ratios que j'avais envie de tester. Et on va vous présenter ça, du coup. Il s'est pas seulement contenté, évidemment, de rajouter du bleu dans Hearts of Midrange. Il y avait une espèce de méta call et tout, on va vous parler de ça. Mais avant, n'hésitez pas à anticiper la confiance, mettre le meilleur pouce bleu, nous suivre sur nos différents réseaux en déroulant la description et échanger dans les commentaires, on les lit tous. On peut pas tout le temps répondre, mais on les lit. On les lit Donc c'est tous. cool. Merci aussi au sponsor Playing by Magic Bazaar. Code Valepiel 2022 sur la boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Merci énormément. Et merci à Instant Gaming. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez passer par notre lien d'affiliation et aussi passer par l'autre lien du coup pour le concours. Il doit Yes. rester, au moment où vous regardez cette vidéo, très peu de temps, environ 2-3 jours pour le concours. Vous pouvez gagner gratuitement le jeu de votre choix, la carte cadeau de votre choix, PSN, voilà, C'est Steam, vrai. ce que vous voulez. Ce que vous Ah, je voulez. suis chaud. Ce que vous... Eh ben nous non. Ah non, on peut pas? Nous non. Ah Mais putain. vous C'est le oui, deck. eux J'aimerais oui, trop être eux un viewer. ils peuvent. Et du coup ça régale, donc n'hésitez pas. Et j'ai vu du coup les chiffres de participation là récemment, et il y a très peu de participants. Donc ça veut dire qu'il y a de Beaucoup de grandes chances de chances de gagner du coup. gagner. Donc allez-y, let's go, c'est gratos. N'hésitez pas à y aller. Cette deck Babou voilà. babille. Je ne sais pas qu'ai-je aujourd'hui. Cette decklist de Zanseed, Voilà, pourquoi est-ce qu'il merci. a décidé de rajouter du bleu dans un Hearts of Midrange? Bah parce que le format était très polarisé autour de Hearts of Midrange, un petit peu Nayarune, mais c'était quand même en retrait en termes de représentation. Moins. Et les decks contrôle, bah Izzet, Jeskai, que ce soit Jeskai Opus, Jeskai Combo ou Izzet Control. Et c'est vrai qu'Hearts of Midrange, il pouvait avoir du mal à se placer entre ces listes-là. Il avait plutôt un mauvais winrate contre Nayarune. Pas un winrate excellent contre les decks très contrôle Bazizet. Et donc ce que s'est dit Zanseed, c'est que bon bah Hearts of, ça bat tous les autres jeux créatures, ça interdit même ces jeux-là. Mais au tournoi, je risque de rencontrer beaucoup de jeux contrôle avec la disparition de ces jeux créatures. C'est les engrenages de méta, bien évidemment. Donc du coup, bah, moi, je vais renforcer mon deck Hearts of Midrange contre les jeux contrôle, quitte à le dénaturer un peu contre les jeux créatures, que je ne rencontrerai probablement pas. Ça n'a pas loupé, il a fini par remporter le tournoi en battant successivement beaucoup de jeux contrôle ou des Mirror Doors of, et notamment grâce bah, à Kaito Shizuki et à Ermite Maléfique dans son main deck. Globalement, ça reste très très proche de ce que faisait Hearts of Midrange, c'est-à-dire les interactions avec Blame Titube Band, Spasmeuil, qu'on va sacrifier sur des disputes mortelles pour générer de la value, bloquer les boards, raser les boards avec la Massacreuse, essayer de jouer des Planeswalkers avec l'Impératrice Vagabonde pour gérer ce que fait l'adversaire. L'annonce du mariage qui prend le board et fait un peu de value. Voilà, Plus de c'est Dolt. vraiment plus de LOL parce que c'est très bien contre les jeux créatures, mais trop mou contre les jeux contrôle. Nous, on en a remis dans le site parce qu'on est, On est gourmand. on est un peu fragile quand même. On a peur des jeux créatures sur le ladder, Ça fait peur. pour le coup. Mais voilà, donc c'était l'idée un petit peu de Zanseed, ce qu'on appelle un meta call. Et son meta call bah, s'est révélé extrêmement payant parce qu'il est qualifié au PT GG à lui. C'est pas mal ça. Quand même plutôt pas mal, Genre, quoi. après, bah, c'est gagner un PT. Après, c'est gagné un PT. Est-ce qu'il Donc, arrivera il à est déjà pas re-meta mal. call? Ouais. Les petits défauts de la liste, parce que Zanseid est aussi un cancre, c'est qu'il n'a pas les sources colorées pour caster correctement ses cartes. Il a dit c'est un Il cancre. a que 12 sources de noir détapées, alors qu'il en faudrait 14 pour ses tours 1. C'est pas grave, ça reste acceptable, mais il faut le souligner. Et il a difficilement les sources pour jouer Ermite Maléfique au tour 2, puisqu'il a seulement 10 sources de bleu, là où on en voudrait 12. Et alors vraiment, ce qu'il n'a pas du tout, c'est le double mana bleu au tour 3 pour faire Ermite avec contre-up. Ça, pour le coup, impossible dans la liste. C'est dur. Quasiment, c'est très très S'il n'y a pas dur. une blême qui a cané sur le Voilà, s'il n'y a chemin. pas une blème qui est morte au préalable, ça va être compliqué. Bon, il a tout pile ce qu'il faut pour que la liste soit jouable, mais c'est quand même un peu mathématiquement. Voilà, il est au fond de la classe. Un petit peu Oui, Zan très peu. sur sa liste, mais en Bah, c'était le vrai. mec au fond qui a eu 19 quand même. Mais c'est le mec au fond qui a eu 19, et on a tellement envie de jouer Kaito Shizuki ailleurs que Ouais. dans Ninja, Franchement, est-ce que ça me bat pas les que couilles? juste on s'en bat les couilles en Ah fait. ouais, let's go quoi. Qu'est-ce qu'il y a en ce sign? Moi, je vois deux déceler les pièges qui sont pas des cartes qu'on voit souvent. Non, c'est vrai, bah, c'est une des fausses, mais qui va exiler. C'est plutôt bien contre les cartes qui vont revenir, comme Edgar et compagnie. Je pense que ça va surtout exiler bah, les cartes comme Lyre, enfin les cartes problématiques des decks contrôle. Là où Contrainte, en fait, ça enlève pas Lyre, ça enlève pas le Goldspan Dragon. Tu sais que déceler les pièges, tu dégages ce que tu veux, quoi. Ouais, ça dégage où? Les cartes problématiques, c'est les cartes qui t'aplatissent.
Et donc du coup, déceler les pêches, ça va enlever ça. Feuille blanche, bah, c'est pour virer les cimetières. Des anges de la Légion pour venir se coupler Que au... vous ne rentrez pas. Enfin, Jamais, ça reste dans jamais, le side, jamais, on va jamais. toujours les chercher avec ça. Les petits Domskar et les LOL contre les jeux créatures. Et puis derrière, on a des bonnes leçons. J'adore le fait de splasher bleu aussi parce que ça nous donne une des meilleures leçons du jeu, je trouve, Ouais, très cool, l'enseignement ouais. des archaïques. Donc, bah, let's go, on est parti. Hein. Yep, petite question avant de lancer. Est-ce que tu saurais nous dire brièvement ce que t'enlèverais contre un jeu contrôle et ce que t'enlèverais contre des jeux créatures? Ouais, bien sûr. Contre un jeu créature, j'enlèverai tous les ermites maléfiques, par exemple, qui ont Évidemment. vraiment rien à foutre dans contre les jeux Un créatures. mauvais bir. Si jamais même vous êtes sur la draw, c'est pas impensable de cutter quelques Kaito, Ouais. parce qu'on sait que sur la draw, votre Ça adversaire répond pas du tout à des créatures, ouais. va prendre le board et votre Kaito passera pas le board, enfin ne restera pas sur le board. Donc je cutterai un peu dans les ermites et dans les Kaito au besoin et je rentrerai bah, les Domskar, les Lolt. Globalement, ça suffit. En fait, vous pouvez juste cutter 4 ermites et rentrer 2 Domskar, 2 Lolt. Ouais. Typiquement, Mais c'est vrai vous que gardez vos Kaito. Le side, en fait, le deck est pas fait pour jouer contre aggro. suivant contre quoi tu joues, tu peux peut-être même cutter 3-1 ou 2-2, parce que Kaito, vraiment, pour avoir joué créature contre un deck Kaito, ça ne fait rien. Alors qu'un ermite, ça va créer deux bloqueurs. Je crois que tu as raison. Sur la draw, donc quand on commence pas, je cutterai 2 Kaito et 2 ermites pour rentrer ça. Par contre, sur le play, je préfère avoir 4 Kaito et 0 ermite. Ouais, plus proactive, Voilà, plus bon, proactif, donc tu auras mieux. plus de chances d'avoir ton Planeswalker sur un board tranquille, quoi. Ouais. Et puis Et contre contre contrôle, on contrôle. va plutôt rentrer justement les déceler les pièges, les feuilles blanches. Ouais. Typiquement, ces quatre C'est cartes-là. assez simple à s'aider vu toutes les cartes qui doivent rester en side. Voilà, il n'y a pas beaucoup de cartes qui, effectivement, qui restent. Et on va enlever donc les trois rites de l'oubli. Et bon, après, tu peux enlever un Kimchi, une blême si tu penses, je pense. Ouais, ou peut-être un massacre contre contrôle. Ou 3, peut-être un c'est un peu massacre, lourd, quoi. exactement. 3 et 1, c'est très bien. Let's go. Ben, let's go. C'est un deck, en fait, qui side peu. Ouais, et c'est bien ça pour les gens qui hésitent un peu sur le site, parce que... Excellent. Alors ça m'a fait la même chose, c'est le bug de lancer le jeu, c'est pas Arena, si on trouve une game on va pouvoir jouer. Il nous Yep. a fait pareil l'autre fois et au final j'ai trouvé le subterfuge chez moi pour jouer quand même. Alors, moi, on m'a dit il faut modifier le nom du deck et mettre un espace. Oh boy, À ça la va. fin. On va On voir. est vraiment sur des... C'est fou, j'ai beaucoup joué au jeu, hein, depuis que ça nous a fait Ouais, le mais est-ce que bug, t'es ça n'a passé pas fait ça. par le Ah truc non, j'ai dernier pas dû match passer par joué? ça, Et non. moi c'est à chaque fois que je passais par là ça... Ça que tu... Du coup, Mais c'est modifie le deck au pire, on va tester ça. c'est Tuto chez lequel vous, là? le premier, Espermidrange. Parce que c'est le deck qui est sélectionné aussi. Ok. Et du coup, là, si je fais jouer, faut que je passe là-dedans. Ouais, et là tu vas donc du coup à gauche. Standard. Et jouer. Et là ça va marcher. Trop chelou. Bah écoute, si jamais ça marche. Bon, après, on n'est pas passé par le même onglet, mais. Ouais, bien sûr, bon. Mais la dernière fois, on pouvait même pas changer d'onglet. Non, mais Donc. j'ai eu le même bug et puis j'ai quand même réussi à force de réessayer. Bon, je compte Nazgûl, Nazgûl. le Les seigneur. Nazgûl! Ça arrive. Tu as une seconde pour faire un cri de Nazgûl vol. Ah, un peu rauque quand même. Il est malade. Ah! C'est le plus vieux des Nazgûl. C'est le plus vieux, Lui, il crie plus, lui. il a la traîne. Il crie Et plus, le d'ailleurs, Nazgûl? j'ai toujours Non. cru, et on se fait tout savoir, j'ai toujours cru que les Nazgûl c'était la monture, alors que faux, en fait, ce sont les seigneurs, ce sont les humains corrompus, les Nazgûl. Eh oui. La monture, c'est un dragon en fait. Mais Je... moi, j'ai toujours Pour moi, cru que la c'était des monture, c'est Nazgûl. les aigles démoniaques. Tu vois, c'est Ouais. la version. Alors, moi, je trouve que c'est des dragons sans su. Un peu, Un ouais. mix d'un dragon et d'une sans su. Bah Mais ouais. voilà, vous saurez que les Nazgûl, c'est pas ceux qui font. C'est les autres. C'est plutôt celui qui dit, tu ne peux pas me tuer. Voilà. Alors que si. Alors qu'en plus, si. Mais je ne suis pas un homme. Est-ce qu'on Allez, garde chais. cette main-là? Non, on garde Non, pas, on on la a garde pas, pourri. c'est Hein. la merde. Bah, il est où le mana bleu? Je sais pas. Et il est au-dessus du bac. Il est dans le deck. Allez, let's C'est go. mieux et on vient un petit Spasmoï. On a la petite sortie, Spasmoï dans dispute, On est annonce du doux. mariage et tout. Oh, Oh, mais on est excellent. giga Ça, c'est un doux. clin d'œil du destin, tu vois. Ouais. Tu vois, quand j'ai dit que la mana base était cancreuse, la mana base, elle m'a dit, ah ouais, Val? Tu vas voir. Mais clin d'œil du destin. Oh, vas-y, rejoue les seins. Qui permet de jouer le Spasmoï, qui est du coup, comme son nom l'indique, un énorme œil avec un spasme. Oui. Et qu'est-ce que le land que tu as trouvé? C'est Un spot essaim de Tyranneuil, Tyranneuil. Il y a une mec. espèce de... C'est fait exprès. Illuminati. Ah mais c'est... Là, on est dans le complot, là. On est On est clairement dans dans le le complot à complot, fond, hein. je pense. Pas le complot du Shuffler Arena, l'autre. Le complot de reptilien, tout ça, Terre creuse. Tout. N'importe quel. Insérez le complot que vous souhaitez. Ouais. D'ailleurs, ceux qui pensent que la Terre est creuse ne sont pas les mêmes que ceux qui Mettez pensent un que la pouce Terre bleu. ceux qui pensent que la Terre est plate.
Parce que si jamais il y a du creux sous la Terre plate, ça veut dire qu'ils sont dans l'espace. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ouais, c'est vide, quoi. Genre, Attention, n'oublie pas la petite dispute. est-ce que tu peux croire à ces deux thèses à la fois? Si, parce que si elle est plate, ça peut être juste Elle est plate mais épaisse. C'est Ouais, elle est épaisse. une pâte mozza crust, tu C'est vois. ça. Et du coup, dedans, il n'y a pas la mozza, et il y a quelque chose. Mais c'est creux. Il y a des humains, quoi. On va chercher plutôt science, non? Il y a combien de cartes en main? Ouais. Ah, peut-être enseignement, ouais. Moi, j'aime bien les Peut science. jouer, là. Ouais, vas-y, prends un petit enseignement. Ah oui, putain, je croyais que c'était ça les sciences, mais let's go. Oula, on a trop beaucoup de landes. Eh bien, je te propose Kaito. Kaito, hein, let's go. Est-ce que ça paye bien? Ouais. Kaito Bess. Je vais faire un petit token. On a trouvé 3 essaims de Despot Tyranneuil. Mais vu que Kaito permet de draw discard, Oui, ça va le faire. on va en virer un au pire. Ah, il joue du rouge. J'aime bien la version avec du rouge, ça te permet d'avoir Valkyrie en late game et ça te permet d'avoir Mr. Gold Span Dragon qui est quand même fort contre tous les matchups. Est-ce qu'il nous fait sacrifier? Ok. Soit. Il a oublié le free damage. Oui, il a oublié le free damage. Et non, il peut pas avec America. Quoi? Ah oui, non, c'est en main con, en main Eh oui. phase. Putain, il est bon. C'est en main coon. C'est en main coon, ouais. Allez, Andrew. Andrew? Non, moi c'est Val. Andrew. Allez, Andrew! Et ça... Ah, tu peux raser son board, là, si tu veux. Je crois que j'enlève les seins. Ouais. On a envie de tuer Henrika, on garde notre Kaito, je crois que c'est bien. En fait, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de bloquer, de garder quand même notre Kaito? Parce que j'aimerais bien raser le dernier token de annonce. Bah, comment tu bloques Henrika là? Est-ce que tu S'il la bloques? transforme, Bah, t'as pas si la d'anti-bet. transforme, je peux rien faire. La transforme, tu peux rien De toute façon, il faire. attaque quand même Kaito, hein. Il fait land, il bourre Kaito, hein. Whatever. Même si je fais massacre. Ouais, mais du coup, il draw pas avec son annonce. Parce que là, il va piocher s'il attaque. Ouais. Je sais pas, ça me choque pas. Je suis dans l'entre-deux. Je suis entre l'annonce ou le massacre Ouais, si tu maintenant. fais annonce, ça veut dire que ton massacre, tu vas pas le faire avant un moment, normalement. Ouais, je peux repartir avec mes propres annonces. Ouais. Ok. Je pense que, en fait, lui enlever des choix, c'est mieux. Ok. Là, son seul choix, c'est bah, tu reposes du board et on gagne un Planeswalker, Ouais, c'est ça. ou tu passes ton tour à aller tuer un Planeswalker. Mais du coup, t'as passé ton tour et il a un 1-1. Enfin, une 2-2. Ok. Et nous, derrière, on peut faire double annonce. Ah non, on peut faire qu'une annonce, mince. On a plus de trésor. En plus, Bizarre ça lui de. enlève sa draw, parce qu'il avait peut-être pioché une carte avec ça. Je vois beaucoup de gens jouer Henrika sur le ladder, mais jamais en tournoi. Donc j'ai l'impression Domnat. que les gens aiment la carte, mais que les compétiteurs, eux, la veulent pas tellement dans leur deck, quoi. Je sais pas trop où la positionner. Les compé Twitter. Les compé Twitter, c'est très lié, hein. Bon bah Ok. lui il était pas là pour faire un métacall. Hein. Lol. Ça va être chaud de battre LOL quand nous on en a pas. Et on n'a pas Ermite pour Ouais. pouvoir la contrer. Ça aide. Zan? Zan ça aide. Zan, ça aide. Bah écoute, on va piocher une carte hein, déjà. On va enlever. J'enlèverai ça moi à terme. Mais... Ouais, Ermite, c'est peut-être un peu tard Quoique là. non, on est obligé de passer par. Ah non, on peut sacrifier notre massacre avec notre Ouais. rite. Je pense que tu vires Ermite. Et tu vas faire pleine annonce du mariage, rite de l'oubli. Ouais. Je suis quand même un peu déçu là. Ouais. On enlève quoi plutôt l'ult, hein. Ouais, c'est trop important de gérer l'ult, sinon il pioche des cartes tous les tours. On aurait pu enlever notre Kaito, ça va éponger des points quoi. Ouais. Ok. Enlever sa festivité du mariage, c'est pas mal aussi après. Adeline, ok. Ah, il joue une version assez agressive du coup. Ouais. C'est pas mal, hein, c'est un deuxième plan. Plutôt que de mettre du bleu pour C'est. passer sous les decks contrôle, enfin Ouais. au-dessus, de battre les decks contrôle, lui il veut passer en dessous quoi. C'est pas déconnant du tout. Hein. On va prendre pour l'instant. On arrive à tempo, nos deux annonces du mariage vont faire le taf. Ok, bah tu peux plage, Je annonce, vais sur. draw. Ouais, je vais sur. Je peux Ou déjà draw draw. d'abord, Je ouais, peux avant déjà draw, de. cela dit. C'est bon ou pas? Ouais. Ouais. Ça fait gagner ça. Excellent. Là, on préfère quoi? Plutôt blême, hein. Blême si tu Est-ce veux le que. crow, Parce que dans tour tous les cas, d'après. on va faire le crow le tour d'après, donc j'ai pas envie de donner Ouais, en donc vas-y, annonce. plutôt blême. On va juste chump block Exact. à l'infini, quoi. Un chumblock infini, mais de un tour.
Ah, mais C'est un infini très petit. Pour les profs de maths qui nous Ouais. écoutent, qui de coup s'arrachent les Qui ont cheveux, envie de chier, quoi. les os. C'est comme un mini-all-in, en fait. Ouais. Et il fait annonce quand on va faire un Tu massacre. engages une Toujours très partie de la fort. totalité de ta banque. Mini all-in. Mais c'est Hardling. très clair, cela dit. Hein. Bah ça parle. Ça parle. Mais c'est vrai que c'est. Dit comme ça, on se dit mais pourquoi? Et quand on réfléchit, on se dit, ah mais je vois. Ouais, je comprends, ça y est. Je vois, je vois. Un petit trésor. Comme les Smacks. Comme les Smacks. Non, mais comme les trésors en fait. Les Smacks Trader. Smacks, c'est juste d'autres céréales. Bah, c'est les Smacks Trésor, c'est le Ah ouais? mythe. Ouais. C'est vrai, ça existe? Bah, J'apprécierais pas que tu me montres, voilà. les Trésors, c'est des Smacks Trésor. C'est dérivé des Smacks à la base. C'est la même petite grenouille à la Ok. con, là. Parce qu'il y a aussi juste les trésors maintenant. Les trésors de Kellogg's. Bah, ouais, mais à la base, c'était des Smacks Trésor. Oh, bien vu. Il l'exile, du coup, on gagne pas nos PV. Rien à foutre. Alors, rien à foutre, mais Ah, je te le dis, rien à foutre. c'est pas une interaction qu'on voit souvent. Ouais. Et des fois, juste titre. Oui, bien sûr. Ah bah on va pouvoir gérer ça. Putain, il a la version Et on relou bien. En agro-itchi ou fait, il joue quoi? mono blanc et il nous abate avec des Ah, landes de toutes les grave. couleurs. Par contre, je vois pas pourquoi du rouge. Pour Pour Valky? Valky et peut-être Goldspan, hein. Ce serait pas du tout étonné que les Ah gens oui, commencent c'est un port là, donc à rentrer Goldspan, quoi. il nous bourre quoi. Eh ouais. Et puis ça marche, quoi. Je Je peux vais read et annonce, enlever hein. Adeline, hein. Ça va être trop important, je pense. Bah Adeline, on peut la chum block alors que entrave non. Ah ouais, mais si avec ça tu peux le jumper. Ah oui, ouais. Je Mais je crois que le je suis choque du même plus coup, sur ça. hein. Ouais. Ah, en fait, annonce, il fallait le trésor, mais j'avais pas capté qu'on devait le sacrifier. Sens pas bon quand même cette game. Un peu. Sentira meilleur en game 2. Un peu dur, ouais. Bah, il a tout. Il a tout. La boîte et les clous. Il a too much, quoi. Ah, vas-y, non, mais chie-nous dessus, n'hésite pas. Il s'est arrêté à Sealand, hein. Il s'est dit non, mais je suis bien. Je mets tout. Et là, on est mort si on n'a pas au moins une interaction. Mais bon. Eh ben, j'adore. Nickel. Ah, j'ai adoré cette game. Non. Nickel. Bon, on vous l'a dit que c'était un méta call, hein, de la part de Zan. Il faut vraiment rencontrer des archétypes très contrôlisants. Tu mets Domskar contre lui? Bah, je pense, il nous a Ouais. pété par le board quand même. Hein. Mais Hermite. en vrai, là, on a envie de tout garder parce qu'il a aussi les bonnes cibles à Hermite, quoi. Ouais. Genre, j'aurais même déceler les pièges, moi. Que Kaito, c'est pas frêle. Kaito, c'est la plus frêle des cartes, je pense, chez nous. Ouais. Mais tout le reste, j'aime bien. Hein. Je cutterais peut-être deux Hermites, Ouais. on a rentré des déceler les pièges. Vas-y, go comme ça. Hein. Ok. C'est que c'est trop bizarre ce qu'il joue. Nazgûl? Bah, c'est une version plus agressive, justement. Lui, il s'est dit, moi, je veux pas mettre du bleu, je veux juste aller plus vite, quoi. Ouais. Mais par contre, typiquement, contre les versions Orzhov, qui splash pas bleu, bah, il va être un peu en dessous, quoi. Parce que dans deux mirrors de deck midrange, c'est le plus midrange qui l'emporte, tu vois. Donc, Le plus milieu. C'est le mec qui a 10 sur 20, quoi. c'est le mec qui a 10 sur 20 qui l'emporte sur le mec qui veut taper des gens dans la cour, quoi. Par contre, celui qui l'emporte sur le mec qui a 10 sur 20, Ouais. c'est celui qui a 19 au contrôle. Par contre, celui qui a 19 au contrôle, il perd contre celui qui se fait taper, qui tape dans la cour. Eh oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a un Donc, t'as une cercle. espèce de cercle normal, quoi. C'est beau, hein. Eh ouais. Je suis en train de me demander, est-ce qu'on pourrait attribuer une note type à des decks? En fonction de d'un type d'élève, tu vois. Un peu. Ah, ben ouais, c'est ça. Le Ouais, roster, c'est le ça. moyen et l'intello. L'intello bat le moyen bat le Oh. roster, et le roster bat l'intello. La méta du collège. C'est un méta du collège, mais c'est magique, hein, tout Ça simplement. marche, hein. Bah, bien sûr. Mais c'est la méta de la vie. Non, c'est pas vrai. Qui est Hein. le joueur combo? N'écoutez pas ça. Qui est le joueur combo? Le prof. C'est celui qui fait les sarbacanes, tu sais, dans sa trousse là. Ah oui, de ouf. Le mec, il est là, il fait ses petits C'est un résultats. artificier, le mec. Mais justement, il pourrait faire mieux, sauf que comme il passe son temps à être C'est ça. artificier, Il du a coup, non. 15, mais il travaille pas, tu vois. Ouais. Ah putain, lui, c'est le boss. J'adore lui. Hop là. Oh, parfait. Snap keep. Mieux. Mieux. On va Mieux, enlever une mieux. dispute mentale. C'est vrai qu'on a vraiment rien à Qu'on n'a foutre pas grand-chose à avec foutre cette avec. dispute, quoi. Aïe, 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 aïe. Là, on a commencé par Spasme dispute et derrière rien quoi. Oh, c'est ça, rien.
Oh, le Sanctuaire Fracassé était dessiné par Donato Giancola. Je pense qu'il est italien. Je suis pas sûr. S'il est allemand, c'est vraiment super étonnant, quoi. Ouais, ça serait vraiment. Ouais, étonnant. Ouais. Zoltan Boros, on le voit partout. Il doit faire je sais pas combien d'illustrations par Sais 7. qu'il a fait pas mal d'illustrations justement pour des cartes rouges et blanches. Enfin, rouge ou Ah, je blanche. pense qu'il a demandé. Hein. Ou alors Il doit. c'est son nom d'artiste. Il doit. Ouais, peut-être, mais. Fontaine. Il connaît pas, tu sais, l'univers Magic, et on lui dit alors, dessine des cartes blanches et rouges, hein, hein, Zoltan? Et lui, il fait si vous voulez. Hein, parce que. Hein, Tiens, Boros, Carrefour. oui, c'est mon nom Ouais. de famille. Ouais. Ok. Voilà. Le mec comprend pas, il est en mode. Si vous voulez. Ouais. Pourquoi il dit ça à chaque fois? Faites ce que vous voulez. Ah, ça, j'aime pas, c'est les mains que tu veux tout prendre. Enlève verser, comme c'est la patte pour deux. J'enlèverai Sorin, je pense. Ouais. Non? Sorin ou entrave? Bah, Sorin, on gère pas avec ce qu'on fait, quoi. Alors que tout Si t'enlèves ça. entrave sort, il fait rien avant le tour 4 là. Hein. Ouais, c'est vrai, nous on peut. Impérator. Ouais, peut-être que je lui enlève entrave sort dans ce cas-là. Vas-y, Ok, la vire on ça. doit. Et il a pour La gagner quand dégage. même. Hein. Il va en piocher un, c'est sûr. Pour 3 entrave, je chie. Un malotru. On fait annonce dans l'impératrice, on est là. Ah, il va peut-être l'exiler du coup. Mais c'est pas grave. Ça Ok. passe sur ça, on garde notre impératrice. Ouais. Allez, n'est pas retrouvé un polo. Voilà. Il a pas trouvé de polo. Sanctuaire. End of turn. Ouais, je crois qu'on la jouera quand même, même si on n'a rien à exiler. Ouais, on peut faire des. On peut faire 3 tokens Faire de juste vigilance. des tokens. Enfin, 2, puis après on les buff. Buff. C'est un buff. Le problème, c'est qu'il a des 2-3 lifelink qui viennent bloquer nos 2-2 vigilance. J'adore. Trop heureux. Oui, mais. Mais ça pue. Bah, je vais aller Mais. taper dedans. Hein. Juste avec ça, quoi. Il faut trouver l'endette là. Oh, pourquoi tu brises mes délires, Ah, mais quoi? je te dis. J'ai un peu le seum. Ah, mais non! Ça bloque pas, parce qu'on fait une 2 de vigilance et on lui met un marqueur à Je mets un initiative. marqueur, ouais, on peut. Excellent! Donc, soit il nous donne la 2-3, soit il nous donne Sorin. Ou alors, tu vas chercher Sorin. Dans tous les cas, tu vas faire plus 1 pour pas qu'il te le tue. Ouais, est-ce que je vais pas chercher Sorin quoi qu'il advienne? Ouais, mais tu vas quand même faire plus 1, je pense. Marqueur! Tu l'animes et tu tapes, hein. Bah ouais, je crois. Pas le laisser draw. Bim. On y va comme as. Ouais. Allez hop, on exile une carte du cimetière. Il prend tout. C'est un vampire, ça? Moi j'aurais tout mis sur Florine. Il est bon. Il est bon parce que du coup, avec son Edgar, il va pouvoir tuer notre impératrice. Et ouais. Il est un peu malin que c'est notre adversaire. Sauf que nous. Bah, je vais continuer à le bourrer, je On va crois. faire massacre à 3, comme ça on perd juste notre 3-3. Ça a l'air bien. Ah ouais, hein. Trois points avec Zessorine. J'ai l'impression qu'on est déjà derrière dans cette game. Ben, on met 3 points, il gagne 3 points de vie. Ouais. Et ça, à la limite, on l'empêche de prendre de l'avance, mais. Mais là, il nous démolit, quoi. Il nous bourre, en fait. Ouais. Nous bourmolis. Bah bloque hein, si tu veux faire massacre. Mais est-ce que je veux faire massacre? Bah t'as quoi comme meilleur draw à part Domskar? Là derrière, ça va nous grinder fort. Hein. Ah mais là on prend 10 hein, hors de tour. Ouais. Ah, puis on pioche bien en plus, hein. Nickel. Vraiment, on pioche nickelus, quoi. Oh, le petit mana problème, tu l'as vu. Gagne 2 PM, remet blême. Ah, mais lui. Lui, il va nous rejouer un milliard Il de joue ça, mais tokens. bon. D'ailleurs, petite tech, hein, quand vous avez un petit bosé, il joue là. Cassez-moi ce cercueil. Ouais, ça dégage. C'est Par contre, il y a important. une racine d'un arbre et ça détruit un cercueil Détruit un de cercueil vampire. millénaire. Ouais, mais Ah ouais. c'est ça qui est bon. Hein. Il s'arrête jamais, lui. Vous arrêtez jamais, vous. Hein. Vous arrêtez jamais. Super, Mec. c'est exactement ce que je voulais piocher. Ça boost token, c'est juste frais. Bon. Je le garde en main, ça. Bon, ouais, je pense. Pas besoin de trop de mana. On a de l'ult, hein, dans le deck. On peut la piocher, c'est pas grave. Hein. Ce serait une possibilité, ouais. Eh ben, c'est bien de ne pas avoir posé au Tawara.
Moi qui te le dis. Ouais, enfin après ça solutionne quand même pas grandement notre problème, si tu veux. Tu jump, tu vas faire sortir des mascottes, tambounsin, tu gagnes la game. Moi je dis c'est bien. Je crois pas que ça fasse gagner la game, malheureusement. Otawara? Ça fait gagner la game. Je crois pas. Le fait qu'il revienne et qu'il puisse attaquer direct, là, ça regarde tout ce qu'il a là. Ah ben il nous chie dessus. Hein. Putain. Ah, mais c'est la bonne strat. Hein. La bonne strat c'est de ne plus piocher de land. Moi je joue contre des oppos, ils font que ça en ce moment. Oui c'est vrai. Ils restent bien. Moi j'ai besoin de 7 mana. Caster. 7 mana pour rappel des Meria. Et derrière, derrière go, j'en veux plus. C'est vrai. Pas de biland, hein. T'as vu? Que des landes monocolores. Non, non, comme un grand. X égale 0, bah, du coup, Boons son 4-4 naze là. Allez. Son 4-4 miteux. Son 4-4 aberrant. Voilà. Ça passe rien. Faisons-nous bourrer la gueule. Y'a aucun problème, on adore ça. On adore la gueule. Je bloque tout, je crois, et je prends un. Ouais. Et on va chercher. Je sais pas si je vais chercher de l'adro ou. Ah oui. Si on va chercher de l'adro, on peut trouver Damskar. Trésor. On va draw sec en plus. Non, on va juste draw 2. C'est bon, on peut payer Damskar. Excellent. C'est un départ. Oh, j'adore! Nickel. J'ai adoré cette game où vraiment le mec. Ah oui, j'ai cru quoi. Il a déféqué tout ce qu'il avait bouffé là. Il n'a rien fait avant le tour 4. Et bam, 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 bam. Ah, c'était bien. Bon, on le rappelle, Zan Said, il avait une idée. Et son idée, c'était pas le ladder. C'était un métacol. Let's go. On va essayer. Et ça n'a pas bugué. Donc le tricks marche. Ah putain, oui, c'est vrai qu'on est passé par la dernière version jouée. Incroyable. Tu vois, le petit. De mettre un espace à la fin du truc. Bah, c'est fou. C'est vraiment comme à l'époque. Ouais, la cassette, elle marche pas dans le magnétoscope. Non, mais essaye, penche le magnétoscope à 45 degrés. Souffle tape dessus. Un peu sur la cassette, ouvre, souffle. Tu vois, genre, sors la pellicule, remets-la. Ouais. Regarde le film avec le film. Le film, la pellicule. Et peut-être ça marche. Ah, il faut essayer 15-20 fois quand même. Ouais, faut, c'est juste la variance, quoi, à la fin. Juste, il y a un moment, juste ça marche, quoi. Par contre, les cartouches de Nintendo marchaient vraiment mieux quand on soufflait dedans. Oui. Mais il n'y avait pas ce côté tape dessus. Mais pourquoi ça marcherait? Bah en fait, tu fais un peu bouger tous les composants, du coup ils se réalignent. Ah peut-être. Mais non. C'est comme les CD, pour ceux qui ont joué à la Play 1, Play 2. Parce que maintenant on fait attention à nos CD depuis la Play 4, quoi. Mais avant, on laissait les CD partout et tout. Ils ne marchaient plus. Et ben moi je les foutais sous l'eau. Ah, belle. Et j'étais persuadé que ça marchait. Hein. Et il remarchait des fois. Bah après, s'il est sale, le CD. C'est possible. Ouais, fouté sous l'eau. Ou alors, pour les plus sales d'entre nous, sur le CD. Comme pour les lunettes après... de plongée. Oh, le match est nul. Ah, il va être nul, faites-en un autre. Et ça, faites pas ça, quoi. Et c'est pas normal que ça marche comme ça, cela dit, tu vois. Ne faites pas, non. Qu'il y a des machines pour restaurer un peu pour les restaurer CD. Restaurer un CD, ouais. Bah moi j'avais ma bouche, restaurer bien. Si vous voulez m'envoyer vos CD, 5 balles, 5 balles la restauration. La tech du dentifrice apparemment. Sur le CD? Ouais. Ah mais ça je sais pas si c'est tellement des légendes urbaines quoi. Ou si ça marche vraiment. Il y avait pas trop internet pour vérifier si c'était un fail ou pas. Ouais. Juste on se passait juste ça qu'il dans y a le un pote qui disait ouais j'ai fait moi nickel. Et du coup tu te dis bon bah si il a dit c'est nickel. Allez Mulligan, si est-ce qu'on peut garder une main? Juste de départ, s'il vous plaît. Oh, mais please! Du coup, nickel, qu'est-ce que c'est nickel, que cette vidéo? Nickel, c'est bon, tu vois. S'il a dit c'est nickel, c'est nickel. Il a dit banco. Bah, c'est keep et on enlève Takenuma et allons du mariage et mon biais. Merde, Val. Mais on joue contre Rook School, ça va. On va le battre. Rook cool. Mokepon de merde. Rook Carnage, très stylé, pas. Bah, oh. C'est la dernière évolution qui a un peu de. Bozeijou. Et non. Pas loin, hein. Bozeijou, il est là, regarde. C'est Bozeijou? Je pense. Non, c'est Bozeijou Digital, là. Ouais, Digital, c'est Jou. Plus gros, celui-là, peut-être. Bon, quand tu veux, hein, par contre, merci. Et merci. Mec, fait une petite plage désertée, là. Engagé. Comme ça, tu lui montres qu'on a bien que dalle. Il fait exprès, là, de pas nous passer la priorité à chaque fois. Hop, je vous montre une carte. Hop, j'enlève une carte. Ah, elle est belle, je l'ai en version. Pas celle-là, l'autre version manga. Magnifique. En carte. Non, pas en illustration. Ouais, en illustration.
Ah oui, non, pas la vraie vagabonde, l'illustration. Ouais. Et parce que sinon tu me dis ouais j'ai une dingue. Non, c'est Loulou qui me l'a filé. Dans du mariage là. Ouais, mais est-ce que je joue en blanc ou en noir? J'irai plutôt en blanc. Bah tu peux remettre le choix plus tard en mettant ton idée sinon. Non, mais dans tous les cas, je veux deux blancs pour impératrice, donc. Ouais, mais si tu peux trouver pleine. De toute façon, main deck, t'as pas besoin de double noir. Donc ça devrait aller. Bon Dieu que c'est lent. L'opponent n'est pas Parce que notre père de réactif. l'hydre propose toujours de s'activer, même quand c'est illégal. Ouais, mais lui, il pourrait juste faire passe. Tu vois? Non mais le jeu qui propose des actions illégales et qui ne propose pas des actions légales. En draft, autrefois, il y a un effet sur une créature au début de votre phase d'attaque. Vous pouvez payer Ouais. un pour faire ci. J'ai mon anti-bête en main. J'attends que le jeu, du coup, passe, me dise je vais passer en phase d'attaque, je le tue. Il passe dans la phase d'attaque, je tue trigger. Ok. Bah donc, rect. Et du coup, je dis aux gens, bah, c'est bizarre. Et les gens me disent, ouais, non, non, c'est que ça aurait dû te proposer, ça l'a pas fait. Et j'ai fait Il yes. est. Tu l'as laissé passer en phase d'attaque? Non, en fait, normalement, ça, tu sais, ça met l'icône sur la phase Ouais. d'attaque, donc ça te le dit, et il n'y a pas les triggers encore. Ah oui, ça te demande s'il veut passer en phase Bah voilà. d'attaque, mais s'il passe en phase d'attaque, Et c'est trop là, tard. c'est passé en phase d'attaque directement. Ok. J'ai pas eu le. C'est passé de main phase à Ouais, trigger. comme le Warboss, quoi. Exactement, comme le Warboss dans un tournoi. De l'époque, avec Sauf Marco que Carvalho normalement c'était corrigé à cause du Warboss. et je sais plus qui. Et là non. Ouais, C'est une streameuse, je crois. mais je remets pas son Mais nom. je me rappelle pas, non. Oh, Rook School! J'ai un stream cet après-midi mais du montage! C'est long pour rien, merci beaucoup. Allez, vas-y, 2 points, pioche une petite score. Let's go. En Tu plus, mets pas tes bilans de toi. il joue. Non, je m'en bats les couilles. Non, bah, je Il sais. joue. Il est vieux. Célestin Midrange. Rooks! J'en peux plus. Il y a encore des gens dans les commentaires qui vont dire: Oh, Val, t'es sérieux là? T'es sérieux à te plaindre des Parce gens qu'en qui sont longs? stream, moi je te regarde et tu mets 100 dans la vie parce que tu parles de tes mangas là, des BZ, je sais pas quoi là. Et le mec en face, il attend aussi. Ouais. Est-ce qu'il Et stream, oui, mais Rook School? stream-t-il, Rook School? Putain. Parce que s'ils stream, s'ils sont plusieurs, s'ils discutent, c'est une raison. Non, puis moi Mais là, je mets pas ce temps-là. Sauf qu'est-ce qui cas se passe? exceptionnel, je mets pas ce temps-là. Attention sur les tours, hein, des fois, Val, c'est loin. Là, c'est à toi de dire suivant. Ah ouais, pardon. Oh, qu'est-ce qu'il fait, là, Lopo? C'est toi. Ah. Qu'est-ce qu'il fait, quand même? Pardon. Yes, impératrice Alors. vagabonde. Ah, ça y est, il est revenu. Nickel. Ah putain, je suis heureux. Je Merci, m'attendais Rook pas à ce School. qu'il joue cette carte en jouant des Lands Celestia, tu vois. Si, il joue ses Snabbit. Ça joue ça, ça joue des rampeurs, ça joue des Ça joue chariots. des Satsuki? Ça joue pas des Satsuki, ça joue des. Pas Emerascal, le Starnim déchaîné. Oula, attends, je peux pas. Vas-y, tu peux jouer après. Ouais. Ça joue des Starnim Unleash. Suis en train de bailler. Excellent. Rook School, qu'est-ce que tu nous fais Val, c'est dur le ladder. là? On prend la victoire. Oh, Rook School, On met de la défense contre lui? qu'est-ce que tu nous fais? Il a que des late game de porc. Ouais. Ok. Il a vraiment du late game de pas gentil. Il Du peut port même game. jouer du Storm the Festival et tout pour te donner Ah oui, donc port-port, la quoi. véhémence de la personne, quoi. Le porc pose, quoi. Je crois qu'on peut cutter un peu dans l'ermite et dans Kaito. Hein. Ah, j'aime bien dans Kaito vu qu'il fait rien au début. Et Ermite, ça Ou alors rite coffre. de l'oubli, peut-être qu'on peut en enlever un peu. La deux Il versée. joue des bons. Je vais enlever déjà une blême. Vras, c'est efficace contre lui, je connais pas du tout Célestin Midrange. Non, pas tellement. Il joue. Bah, en fait, ça va être bien sur ses accélérateurs parce qu'il passe par Floredron et Tavernier. Ouais. Tavernier! Et ça permet aussi de niquer les. Pardon, excusez-moi. Oh, De frasser les chats on est plus à ça près. du chariot, quoi. Peut-être que l'impératrice, ça dégage. Ah oui, mais en fait, ça joue un peu comme avant. Célestin Ouais, Midrange. c'est vraiment. Avec les vraines et tout. Ouais, Ouais, ça un joue avec les peu. vraines. Ouais, c'est ça, avec Ah les vraies. oui, je vois Genre alors. vraiment une espèce de. Ça fait tellement longtemps, j'avais En oublié. fait, c'est même pas de mid-ramp, c'est mid-ramp, tu vois. Et bon, ça vivote, hein, ça n'existe pas énormément. L'impératrice, on peut pas cutter? En fait, j'aime bien la carte. Et Je sais, Val, je mais crois qu'il faut la cutter, mais j'aime bien. contre des ports, est-ce que des 2-2 vigilance, c'est pas nul? Pour 4. Non, il faut cutter l'impératrice, mais je voulais pas m'y résoudre. J'avais besoin que tu Ouais, insistes mais sur je ce. suis là pour ça. Voilà, en fait en début de format, j'ai pas la rationalité mathématique et compagnie. Non, j'ai envie de jouer les Ce cartes que j'aime bien. qui est étonnant Bah ouais, de ta mais. part. Ouais, mais en début de format, je vraiment, hein, j'ai du mal quoi. Ouais. J'ai envie Mais de tu vois, jouer. du coup, je suis là.
Parce que d'habitude, quand tu me dis il faut faire ça, moi j'aime bien dire ah ouais, ben rentre plutôt les défauts parce que c'est un mec qui joue mono rouge burn, tu vois. Je dis de la merde. Non, mais là, Mais quand lui fait tu pas viens pro, me ramener l'épée sur terre, je quoi. te dis ça c'est de la merde. Tu vois, là, j'ai envie de jouer Kaito juste parce que j'ai envie de jouer Kaito, quoi. Par contre, juste, est-ce qu'on aura une bonne main de départ à 7? Demande à Zan. Hein. On peut pas keep, on a rien à jouer. Après, sur un mana, on joue tout. Ah ouais, mais on joue tout au tour 3, quoi. Mieux. Excellent. Genre, Excellent, quoi. moi, marée. Excellent. Tu vois, là, j'étais un peu comme toi, je voulais pas enlever ce marée parce qu'il était beau. Mais genre avec Kamigawa, je crois que ce set a un effet très négatif sur moi. Je joue les cartes parce qu'elles sont belles, ça ne va pas Le du tout. mauvais côté de Ah, Val. ça ne va pas du tout, quoi. Mais en Mais même c'est temps, plaisant. c'est vrai que c'est beau, ça. Ah, c'est pas mal. Et c'est beau. C'est pas mal. Petit tricks dans Kamigawa. Jouer que des cartes belles. Comme ça, au moins, il n'y a pas de galère, c'est juste tout beau. Ah Tout est bah beau, quoi. ça aide, c'est un enfer. Parfois, quand j'ouvre une belle carte dans un Moi, s'il n'y booster. a que des belles cartes, je joue 75 cartes après ça. Hein. Je lui présente mon deck, j'ai tout rentré juste. Ah, je voulais tout mettre. Ah, je vais pas me résoudre d'en quêter une. C'était toute belle. Quand j'ouvre des belles cartes dans les boosters, des fois je me dis, putain, j'aimerais bien la mettre dans un deck, alors qu'elle est pas forcément bien, tu vois. Il joue Célestine. Il joue Rune, il joue pas du tout Célestine Midrange, Ah, mon con, feuille putain. blanche et la discard bien moins Ah, intéressante. bien pourri, quoi. Ma petite plage Oh! désertée, let's go. On est dans la sauce, hein. Qu'on n'a pas bien sidé contre le poteau, Ah là. ben non, parce qu'en même temps, il a fait rien. Parce que L'anse du mariage, rien. Vagabonde, très bien. Ah bah du coup, vagabonde, excellent, ouais. Vagabonde généreuse. Il fait toujours rien, cela dit, donc. C'est les Landes Bob Ross? Non. Si. Eh oui. Que je trouve vraiment. Alors, je sais que les gens sont fans de Bob Ross, je trouve ça très. Mais. Tout ça très. Mais. Tu ne te prononceras pas. Annonce du mariage. Bah, j'aime bien Bob Ross, mais c'est vrai que, comme je le disais dans mon dernier point news, allez le voir si vous l'avez pas vu. Les frames classiques Magic, c'est bon quoi en Oui, on fait. veut plus en fait. Genre oui, c'est joli et tout, Oui, mais on pour la veut plus. plupart des cartes, parce que c'est comme ça. Mais cela dit Mais quand là, vous faites oh. des trucs exceptionnels comme ça, Ouais. mettez un beau frame, mettez du foulard, quoi. Cela dit, au-delà du frame, je trouve pas le dessin. Je trouve pas qu'on se tape le cul par terre, quoi. On dirait une île Non. random de S'il n'y Masque de avait pas le Mer. nom, vraiment, je vais te le dire, hein. S'en bat les couilles. Ouais, c'est Masque de Mercadia, quoi, Bah ouais. vraiment. On en a vraiment rien à foutre, Ah, il y quoi. avait un petit côté chantant. Masque de Mercadia. Masque Masque de de Mercadia. Mercadia. Masque de Mercadia. Ah, c'est devenu une. Comment on appelle ça? Pas un orchestre, une. Une symphonie. Pas une symphonie non plus, mais Entre deux. une. Un jingle? Un truc que tu mets quand tu pars un peu à la guerre, tu sais. Ah, Ah, j'ai plus, je sais merde. pas, un hymne? Non plus. Non. C'est le nom d'une. Le nom d'un orchestre, justement, d'un compositeur Les classique connu. bandas. Non Je plus. Vous l'aurez dans le chat, évidemment, enfin dans le n'en clap, ai dans les pas. commentaires. Mets un petit Edgar là, ça va le régaler. En plus, c'est un Je vampire. mets un petit ermite. En vrai, est-ce qu'il joue Naya lui? Est-ce qu'il a juste pas la meilleure carte dans son deck? Il a pas juste oublié la meilleure carte dans son Bah, deck. il a oublié le land rouge aussi. Eh, mais s'il fait Landru Scald, est-ce que je suis pas content d'avoir un Un petit. mec fait Edgar, bourre le là. Sûr? Ah, j'ai pas le temps, Val. Sûr? J'ai faim et tout, j'ai pas le temps. Vas-y, vas-y. Ça va 11h24. Ça Non, j'ai va. pas faim en fait. Ça va quand même. J'ai faim ou pas? Je sais pas. Eh, tu sais pas, hein. En vrai, je le bourre de rien du tout. En plus, tu me dis bourre-le, mais je bourre rien du tout. Ah, tu as bloqué que t'as un. Il va juste la manger là, hein, si j'attaque. Hein. Est-ce qu'il va y penser? Oui. Ok. Quand même, quand même. Ok. Ok. Ah, Je suis sûr que ça vous est resté en tête aussi. mais je veux que vous Pas me d'être trouviez le d'autres. nom de ce à quoi je pense. Je vois ce que tu veux dire, mais je vois pas le nom. C'est un mix entre cavalerie et musique. Vraiment, Cavalzik. Basicalerie. je sais pas te l'expliquer. Il se fout de ma gueule ou quoi? Bah mets les deux 1. Bah non. Ok. Mais attends, mais pourquoi il fait ça? Je sais pas. Mais il joue quoi, lui? Qu'est-ce que tu joues, Roucoule? Dis-nous! Qu'est-ce que tu attends? Ah, il a Eganjo! Ah, mais je m'en branle, moi, je suis content d'avoir des. Je crois qu'il est pas au courant que Edgar sur le board, qui n'a pas de vampire, c'est beaucoup plus faible que le cercueil d'Edgar. Mais du coup, vu qu'il chie des vampires, Ah non, ça va, il avait la doublette, évidemment, il avait la combo. c'est quoi du coup le. Salaud. Genre, il est dans son cercueil, donc canné, et il y a des vampires qui sortent. Donc, Je trouve que tes mots sont vraiment bien véhéments quand même. Bah, s'il est mort dans son cercueil. Oh, Et. il fait une grosse sieste. Mais du coup, Canet, ouais. il met bas, il accouche de vampires? Quel est le but du propos? Et il les appelle, je pense. Ah ouais? Ouais, je sais pas. Peut-être que ça marche comme les hippocampes, les vampires. C'est vrai que quand il va dans son cercueil, il y a des espèces de vampires qui prennent sa place. D'où viennent-ils?
Et quand il y en a trois, C'est comme si toi tu vas te il coucher, revient au genre, champ ah, de je suis bataille, tu vois. fatigué, je vais me coucher. Bah, t'appelles tes gardes du corps qui viennent surveiller ta maison, je pense. Ah, c'est C'est comme ça. les Ils personnes riches. s'appellent comment les tokens? Les personnes riches. Ils s'appellent. Bah, je sais pas, il nous l'a tué, le Saligo. Comment puis-je voir? C'est des vampires avec le lien de vie. Mmh. Et on met un marqueur ligné. Ah, mais en fait, c'est ses enfants. Mais Parce qu'on met un marqueur ligné comment il sur fait lui. pour les créer alors qu'il est dans le cercueil? Mais est-ce qu'il est seul dans le cercueil? T'es trop là, je ne sais plus, Mais un j'ai. vampire, normalement, ça ne se reproduit que peu. Bah ça se reproduit surtout pas Et normalement. pas, hein, même. Hein. Enfin, pas, Mais pas comme on comment il y sait. a des lignées de Je suis une vampires alors carte. ils font comment? Ben, ils transforment les gens en vampires. Ah oui, mais Et ça fait des lignées. Mais non, Mais si, quand t'es vampire, c'est la t'as parenté. des frères et sœurs. Mais non, c'est la parenté de qui t'a transformé, en fait. Ah ouais? Normalement, Tu ouais. deviens le père de la personne que t'as transformée? Pas vraiment père, mais ouais, un peu, quoi. Tu deviens du père. J'aurais dû regarder Twilight. Non, mais vraiment, je crois qu'on dit n'importe quoi. C'est vrai, les Faut vampires, regarder. comment les vampires créent une famille? Normalement, ils peuvent pas se reproduire. Hein. Bah alors comment? Parce que dans Twilight, il y a toute une famille. Parce que. Twilight, c'est la Et non, référence mais. des vampires, excusez-moi. Je Oh, préfère je sais que. pas, J'en sais merde. rien. Bah, je sais pas non plus. Merde, voilà. Vraiment, tu me poses une question que je ne Oh, me je t'ai posé posais une pas colle. avant et tu me. Ça y est, j'ai un nouveau problème existentiel. Je vais entre deux vidéos, je vais demander à ma chérie, elle est experte en vampire. Elle s'y Ah, mais connaît très on très va bien. lui demander, bien évidemment. Attaque d'abord. Attends, je réfléchis si on peut pas faire des queues de rue. Non, on s'en fout en fait. Attaque, puis tu bourres, tu pioches. Ah, c'est bon là, qu'est-ce qu'il joue? Bah, c'est simple, C'est du monoland. il joue un des meilleurs decks, mais sans la meilleure couleur, donc. C'est con. Esper Midrange. Allez, zou. Bord de l'eau. Et tu as pioché pendant ce temps. Et dans la liste de Zan, il jouait pas les Edgar, ce qui fait que sur l'ulti de Kaito, il avait aucune créature noire ou bleue à aller chercher. Je dis non, c'est trop Zan, tu nous prends C'est pour des trop. cons, Non, non, franchement, sans déconner. Bah Spasmeuil, et on comment ça, va. aucune créature peut aller chercher l'espace meuil et l'emblème? Ah ouais non mais, ah ouais non Bon, mais, c'est de la merde, ah mais mais tu merde peux faire quoi. ça. Moi j'étais là en mode Zan, tu nous promets la lune et tu vas nous chercher un, Viser la lune, ça ne me fait pas et peur. tu vas me chercher un bout de l'ISS, j'en ai rien à foutre quoi. Ah ben non, peut-être t'as gagné 200 places, mon coquin. C'est pas mal. Fin de cette vidéo. On pense quoi de cette liste? Bon, alors le gameplay, c'était pas ça. Si, ça va. Si, mais ça, c'est pas ça. Par contre, je trouve qu'on a dit des choses ultra pertinentes dans cette On vidéo. sait toujours pas Et ça plaît. comment les vampires se reproduisent. Voilà, mais prochaine vidéo, donc vous, entre-temps, vous l'aurez dit en commentaire, vous pensez qu'on va lire les commentaires et qu'on va le dire dans la prochaine vidéo, alors que non, on va la tourner de suite, la prochaine vidéo. Donc nous, il va falloir qu'on fasse la recherche instantanément. On n'aura Eh pas oui. lu vos commentaires. On n'aurait pas dit. Mais on Mais va les demander. on va les demander. Fin de la vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, c'est dans la description. Réseaux sociaux, je viens de le dire. Mais tu as fait pouce bleu, du coup. Tu as fait pouce bleu. Du coup, je me suis embrouillé. Et notre chaîne Pauvre Twitch, accent. ValPL Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était C'était de de la la belle belle magie. magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.